Au lendemain de l'indépendance en 1960, l'UPC décide désespérément de relancer la quête du pouvoir par la lutte armée. Des milliers de combattants nationalistes vont être mobilisés. Le parti tient une assemblée populaire sous Maki en région Bamileke. C'est ainsi que les combats vont se généraliser dans toute la région et aussi au pied des monts Bambutos qui est une grosse carrière où les insurgés venaient se ravitailler en pierres dont ils se servaient comme munitions. Les monts Bambutos sont situés sur la partie occidentale de la région. Cette vaste étendue volcanique s'étend du nord-est au sud-ouest sur environ 50 km. Le recueillement et l'acheminement des pierres vers les foyers des guérillas étaient globalement assurés par les plus jeunes combattants nationalistes, tous mineurs. La gente féminine compose aussi une part non négligeable des guérilleros. Ces pierres issues du mont sont utilisées comme des cartouches, des balles naturelles qui servaient aux fusils de traite pour pallier l'absence de munitions. Monsieur Mvomo, 71 ans, l'un des tout premiers UPCistes et nationalistes, prisonnier politique à cette époque, est le tout premier maire de la commune de Chang. Il déclare ceci dans un entretien le 24 octobre 2002. Les cailloux ramassés au pied du mont pouvaient servir aussi d'instruments de cuisine. Les femmes proches des combattants nationalistes s'en servaient pour écraser les condiments de cuisson. Les pierres permettaient aussi d'écraser le tabac, la drogue et des potions de toutes sortes pouvant être utiles aux maquisards. Tade Yamelon, le garde du corps d'Esnes Wandie, explique ses déboires dans un reportage télévision. C'était une guerre sans pitié. Ils bombardaient sans connaître si c'est un homme, une femme ou un enfant. Ils bombardaient seulement. Je me suis retrouvé dans un trou quand nous sommes tombés dans une embuscade avec Ernest Wandie. Je me suis évanoui, on m'a transporté à l'hôpital. Pour rendre leur déplacement fluide, les combattants installent dans les régions Bamileke des pistes de liaison dites Ho Chi Minh, véritable chaîne de communication avec les unités de Maki. Ces pistes étaient connues pour leur simplicité et leur praticabilité. On assiste également à d'autres combattants autour de la Meche, encore appelée la rivière de la mort, qui est dotée d'une puissante chute. C'est un fleuve au débit moyen, situé non loin de Bafoussa. La rivière a recueilli plusieurs centaines de morts jetés pendant la guerre. C'est dans cette chute qu'ont été précipités les mains attachées et les yeux bandés des jeunes combattants de la guerre d'insurrection luttant contre le régime en place. La puissance des eaux, la hauteur de la chute et son impact sur les rochers étaient si violents qu'aucune chance de survie n'était donnée aux victimes. Leur corps était entraîné par les eaux. Cette extermination par précipitation dura jusqu'au jour où un brave combattant, Jacob Fossi, au moment d'être précipité dans le fond, usant de subterfuges, se fit délier puis s'agrippa au commandant français Outard, son bourreau, l'entraîna dans sa chute. Cet acte de bravoure mit fin au massacre, sauvant ainsi d'autres maquisards qui attendaient leur tour. La chute de la Meche est devenue une destination touristique pour de nombreux étrangers. Des amas de sel, du pilet de maïs à l'huile rouge, des noix de cola, des jujubes jalonnent le long du chemin. Le lieu abonde de monde. Hommes, femmes et enfants vont et viennent par groupuscules. Ici, comme en amont des chutes, les gens se livrent à divers rites traditionnels, accompagnés de guides spirituels. Des paroles prononcées pendant ces cultes sont à peine perceptibles. Calebasse, canari, arbre de paix, vase contenant de l'huile de palme, bref, tout ce qui est jugé utile pour la circonstance y passe. Au lieu de sacrifice et de purification pour tous, le décor est l'expression des peuples bamilékés en quête de bonheur. En effet, les crânes des victimes n'avaient pas pu être récupérés par les familles. En mémoire à tout cela, ces dernières viennent aux abords de la rivière, en amont des chutes, vouer un culte traditionnel à ces morts. En 1962, lorsque les dirigeants du parti prennent la direction du maquis de la gauche camerounaise, ils sont pour la plupart encore trentenaires. Mais en phase 2, ils se heurtent au dispositif mis en place par Amadou Ahidjo. Ils ont devant eux également la puissante armée française. Le président camerounais mène donc son combat sous le mode de la politique de la terre brûlée et surtout avec l'aide de l'armée française qui est restée sur place au Cameroun jusqu'en 1964 pour former son homologue camerounaise.
les dirigeants politiques sous Macky, trop sollicités par de jeunes combattants, s'épuisent avec une générosité excessive. Ils doivent faire des allers-retours interminables. Le parti représente l'espoir de tout un peuple, de toute une génération. Ici, ils doivent calmer une crise d'autorité. Ils iront là-bas investir solennellement un nouveau chef de groupe. C'est à eux d'aller d'ailleurs décider d'homme à homme une recrue hésitante dont le pas fera basculer un village ou une localité. Ils doivent payer un lourd tribut, trop souvent exténué, partagé entre des tâches qui les distraient. Les leaders du parti devenus rebelles sont traqués partout dans la région. C'est une véritable chasse à l'homme. Mais ils restent soutenus par de nombreux paysans du Mungo et du pays Bamileke. Les rebelles doivent faire face à une armée camerounaise et française disposant d'un matériel hyper moderne et bien organisé. Au fil des combats, l'ALNK survit, mais ne renonce pas. On voit des machettes contre des armes automatiques. Ce qui fait en réalité le rapport de force entre les différents protagonistes est inégal. Les guerrieros upécistes n'ont pour la plupart que des armes blanches à opposer aux équipements automatiques de l'armée franco-camerounaise. En forêt, dans les maquis, dans les montagnes où les combattants vivent, il n'y a rien à manger. Ils se nourrissent pour la plupart des écorces, des tubercules de brousse. Des produits naturels qui leur permettent de passer de longues journées sans avoir faim. Le fait qu'on ait utilisé des armes prohibées comme le napalm explique une fois de plus la surpuissance de l'armée française. Ernest Ouandié, homme courageux, réorganise ses troupes malgré les moyens limités et les conditions de vie atroces. Il est déclaré homme le plus recherché du Cameroun par le régime et malgré tout, doit toujours garder le soutien de ses soldats même lorsqu'ils sont emprisonnés ou torturés par les militaires. Ces combattants-là l'ont toujours protégé. Flaubert Gagna, ancien guerriero de l'ALNK, explique dans un entretien son incarcération à la prison de Bafoussam et les tortures qu'il a subies pour le pousser à dénoncer son chef. Un militaire est venu, m'a tenu par ma chaise et m'a traîné derrière la maison. Il y avait un petit hangar et un banc sur lequel il m'a fait asseoir. Il a descendu mon pantalon, il a relié mon sexe et m'a dit « Tu ne veux pas me dire où se trouve Wandier, maintenant tu vas parler. » Il a branché le courant. J'ai commencé à crier et crier jusqu'à ce que je n'avais plus de voix. Il m'a détaché pour me frotter jusqu'à sang. Le militant de l'ALNK justifie ainsi son amour pour son chef par le fait que la formation que Ernest Ouandié nous a donnée nous renforce beaucoup. La première leçon dit « La qualité d'un bon militant est d'être sincère et actif. Les intérêts du parti doivent lui être plus chers que sa vie. Les intérêts du parti ne doivent pas être subordonnés aux intérêts personnels. Le plus important, c'est d'aimer le camarade du parti plus que soi-même, être patriote, être nationaliste. Nous n'avons pas peur de la mort, d'autant plus que nous n'avons rien de positif à attendre de notre gouvernement. Et pourtant, c'est nous, notre parti qui s'est battu sans ménager aucun effort pour l'indépendance. » La guerre menée par l'armée française au Cameroun était une vraie guerre. Jonathan Kanga, habitant alors la ville de Tchang et qui était amené à voyager dans cette région montagneuse où se cachaient les résistants de l'UPC, raconte. Les soldats français raflaient des Bamileke en ville, puis les relâchaient en pleine campagne en leur disant d'aller rejoindre leurs frères au maquis. Quelques jours plus tard, évidemment, ils les retrouvaient errants. Cela faisait d'eux des maquisards qu'ils capturaient sans mal ou tuaient sur place. La guerre du Bamileke avait provoqué entre 50 000 et 400 000 morts selon les sources. Le pilote français Max Bardet, chargé des bombardements, parle de 400 000 morts. Ce chiffre semble bien réel quand on sait que chaque ressortissant de la région du Bamileke reconnaît avoir perdu au moins un membre de sa famille. Une guerre engagée dès 1958 et qui va se poursuivre jusqu'en 1971. Pour anéantir la population du Bamileke et éradiquer l'UPC, un mouvement rebelle. C'était un génocide pour certains. La guerre du Bamileke est l'une des plus meurtrières en Afrique. Une guerre que la France a menée discrètement à l'insu du monde entier, hors de la médiatisation. C'est le conflit le plus discret de tous les temps. Les villages entiers ont été bombardés. Certains districts rasés complètement. Les cadavres longeaient le long des routes. Le régime d'Aïdjo,
appuyé par l'armée française, a commis donc l'un des plus grands crimes contre l'humanité qui n'a jamais existé en Afrique. Maurice Delaunay et Maurice Robert, qui sont des proches de Focard, supervisent la liquidation des maquis UPCistes avec le chef des services camerounais Jean Fauchivet. Selon le témoignage d'un ancien combattant, tous les matins, on retrouvait des têtes coupées et exposées sur les trottoirs. Elles étaient destinées à effrayer les gens et c'était une manière de leur dire « Ne rejoignez pas le maquis, vous finirez comme eux ». Pierre Semenge, un jeune colonel de l'armée camerounaise, tout droit sorti de Saint-Cyr, devenu général camerounais plus tard, s'en vante dans une interview et explique avec fierté les méthodes de coupement de tête des nationalistes. Il dit ceci à propos. On était obligé de couper les têtes. Les rebelles avaient dit aux populations qu'on ne pouvait pas les tuer et les populations y croyaient. On était obligé, après avoir tué un chef rebelle, de prendre sa tête et de venir exposer dans les villages. C'était une façon pour nous de démontrer qu'il n'était pas invulnérable. Mathieu Ndiasep, le secrétaire particulier d'Ernest Ouandji, témoigne dans le même sens. Les têtes des enfants tués sous maquis étaient exposées sur les poteaux électriques dans les grands carrefours des villes. Quand on savait que la tête de tel enfant était la tête de l'enfant de tel homme ou de telle femme, on les appelait et on leur demandait s'ils connaissaient cette tête-là. La réponse était toujours non, car si tu disais oui, tu étais porté disparu pour toujours. Il ne s'agissait pas seulement des militaires français et camerounais, il y avait également des recrues sénégalais et tchadiens. Le village de Badenkop, fief de Martin Senghap et siège de l'état-major de l'ALNK, a été rayé de la carte du monde après avoir fait sortir sa population et l'avoir incendiée. Comme plusieurs centaines de milliers d'autres, ses habitants ont été parqués dans un camp pendant 4 ans. La vie y était infernale. Eli Chokokam, Bamileke et docteur en médecine, déclare avoir soigné des brûlés qui avaient subi un bombardement au napalm. Et dans le même sens, voici ce que Georges Safa a dit de la guerre qui s'est déroulée à l'aube de l'indépendance et tout juste après l'installation d'Aïdjo au pouvoir. Entre Douala et Bafoussam, près de 400 000 Bamileke sont en dissidence. Pour rétablir l'ordre à la demande expresse du gouvernement camerounais, le général Briand dispose de 5 bataillons, un escadron blindé et un escadron chasseur-bombardier T-26 pour des missions d'intimidation. Dès sa première tournée en pays bamileke, le général Briand peut prendre la mesure de la situation. 12 fois, le convoi de véhicules doit s'arrêter et l'escorte mettre pied à terre pour dégager la route. Ce sont de véritables grappes humaines, sans armes mais hostiles, qui barrent le passage et s'agrippent aux voitures. Rarement insurrection a eu un caractère si populaire. Or, les conditions dans lesquelles va s'exercer l'intervention française ne sont plus les mêmes que pour la campagne de la Sanaga Maritime 2 ans plus tôt. Elles opèrent maintenant dans un pays indépendant pour le compte d'un gouvernement ami mais étranger. Les officiers n'ignorent pas que le pays bamileke a besoin, tout autant que d'autres, de réformes profondes de caractère social et agraire, mais ils n'ont aucune garantie que ces réformes seront menées à bien sur leur pas par le gouvernement camerounais. Ce qu'on attend d'eux, c'est uniquement d'isoler la zone contaminée pour éviter la contagion, puis d'y briser la rébellion. Le général Briand, présent au Cameroun à cette période, n'a rien d'un patient artisan de la pacification. Il ne s'est pas attardé dans les postes de renseignement ou d'administration. Il commandait en Indochine le 22e RIC, qui n'avait pas, dans les années 47-49, la réputation d'un enfant de cœur. Il a été en Algérie adjoint au commandant de la 7e division mécanisée. Il a pour mission de casser la rébellion bamileke et, parallèlement, d'aider Aïdjo à constituer une armée nationale camerounaise. Le reste, c'est-à-dire l'action politique, il ne s'en occupe pas. Il y a, pour cela, l'administration camerounaise et les fonctionnaires français d'assistance technique détachés auprès d'elle. Des officiers français admettront par la suite. On a frappé trop fort et avec d'autres méthodes, on aurait pu obtenir, à moindre prix, de meilleurs résultats. Mais le gouvernement français ne tient pas à s'éterniser sur cette intervention lointaine sur laquelle il garde le maximum de discrétion.
Aoulé Kamer, merci beaucoup d'avoir regardé ce petit film jusqu'à la fin. J'espère que ça vous a plu. Comme je l'ai dit à la fin de la partie 1, c'est du travail de jeunes Camerounais passionnés qui le font sur leur temps libre, autofinancé. C'est vraiment, vraiment beaucoup d'envie, de passion, de partager justement notre histoire commune. J'espère donc que le travail vous a plu. Bien sûr, on va travailler plus pour s'améliorer, pour proposer du contenu de meilleure qualité pour les prochains films ou vidéos. Pour soutenir, un like, un partage, donnez votre avis en commentaire. On est ensemble, on fait comme ça les caméras.